ton langage de l'amour à toi, c'est autre chose. Si dans mon langage, moi, je peux faire des efforts pour te aller vers ton langage, je peux faire des efforts pour venir vers mon langage. Mais si c'est trop fort pour toi, si mon langage ne te convient pas, puis que ça te rend malheureuse. Ou malheureux. Ou malheureux. Puis là, si on tombe dans les reproches, ça marchera pas. Ouais. Tu ne peux pas. Il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut que tu te dises, ben regarde, moi, je peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis comme ça. Je suis un assez bon gars. Je pense à toi là. Je fais ça, ça, ça. Là, toi, t'aimerais ça. Mais moi, ça, j'y pense pas. Mm. Puis aussi, tu sais, mettons, tu peux peut-être changer quelqu'un de 15 ans qui pense pas à ça. Mais là, tu sais, il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a d'autres choses ben que, même si tu pourrais, t'es comme Bergard, là. Tu sais, je suis heureux de même. Oui. Puis je l'entends beaucoup. Tu sais, moi, dans la cinquantaine, là, les amis célibataires, là, fait plusieurs fois, j'entends, que je pense que je vais rester célibataire, de gars et de filles. Parce que quand tu te rends compte à 20, 25 ans, t'as pas un gros bagage en arrière de toi, t'as pas tellement de blessures, mais quand tu te rends compte à 52 ans, t'as un bagage de vie en esti, puis t'as des blessures qui sont dans toi, puis c'est pas grave, là, je le dis pas avec de la tristesse, ça fait partie de ton cheminement de vie. Tu dis, moi, je viens avec telle affaire, j'ai vécu tel genre de relation, ça m'amène à penser de même, j'ai des doutes là, puis je suis heureux là, puis tu sais, tu le sais, tu te connais, Chris, gars comme fille. Fait que quand t'arrives dans ce genre de vie-là, après ça, tu te rends compte à 50 ans, faut vraiment que tu trouves quelqu'un que son bagage, puis ton bagage fit. Outre l'attirance, on a du fun, on rit ensemble. Mais si vos deux bagages ne faites pas, ça va chier tôt ou tard. Fait que je pense que c'est plus dur de trouver le bon match. Chérie Toto. un manoir et un chalet. Puis... Non, mais il y a tellement de monde le fun en plus. Puis il y a beaucoup d'action, je trouve, dans le marché de la cinquantaine. Énormément. Ah oui, j'ai su le cul. Dans le marché de la cinquantaine. Tabarnak! Ouais. Je le dis de même, c'est une amie de fille qui m'a dit ça. Une amie de fille connue en plus, je la nommerai pas. Une amie de fille connue qui m'a dit: hey Chris, t'es nouvellement célibataire, tu vas faire le saut aujourd'hui, parce que toi, il y a de l'action. Tabarnak! Il y a de l'action. T'es sur Tinder? Non. Pas eu besoin, j'ai Instagram. Grindr? Non. Non. Non, c'est juste des amis d'amis. Tu sais, il y a eu l'été, il y a des parties, des terrasses. Allô, comment ça va? C'est là que tu vois que c'est facile pour toi de rencontrer le monde. Tu dis allô, comment ça va, puis ça marche. Quand tu fais, t'es sur Tinder? Non, pas besoin, il y a eu l'été.